Salut à tous, bienvenue. Je fais un petit live en direct de la serre. Alors posez-vous tranquillement. Là, je me suis posé avec un petit apéro pour commencer cette fin d'après-midi. Bien sûr, on est en Belgique. Chez nous, c'est la bière. Alors, on va faire un petit live autour de la serre. Je vais vous présenter la serre en direct. Ainsi, comme ça, vous allez pouvoir voir directement la serre. Donc, allez-y. Alors, ah, salut Toto. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Alain. Salut les amis. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde. Hein. Salut Estelle. Santé à tout le monde. Hein. Prenez un petit apéro, faites-vous plaisir. On est confiné, donc confiné ne veut pas dire. Enfin, on est confiné, mais on va devenir alcoolique, j'ai l'impression, parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui boivent beaucoup, qui prennent des apéros. Hein. Salut au naturel. Je ne sais plus ton prénom, tant pis. Alors n'hésitez pas bien sûr à poster des messages ou des questions. On va, j'attends un petit peu, on va prendre l'apéro, on va faire la causette. Ensuite je vous montrerai la nouvelle serre. Je l'ai presque fini, il me manque des clips pour terminer la porte, mais bon, elle est quasiment terminée. Là je suis à l'intérieur. Je voulais pas faire une vidéo dessus parce que j'en avais marre, j'ai pas le temps de faire du montage pour l'instant. Donc je me suis dit, un petit live pour la présenter. C'est plus facile pour moi, au moins je n'ai pas besoin de faire de montage, ni de générique, ni rien du tout. Vous allez avoir tout en direct. Je bois de la Corona? Non, pas vraiment, pas vraiment. Chez nous, c'est plutôt la Jupiler. Bon, je ne fais pas de publicité, hein. Je ne vais pas laisser ça aux professionnels. Hein. La bière, c'est vraiment pour les professionnels. Du coup, Toto, eh bien non, j'ai pas commandé de bâche pour finir. J'ai fait avec la bâche que j'avais reçue. Salut Benoît. Je m'approche parce que je vois pas bien. J'ai le soleil juste en face de moi, donc je vois pas très bien l'écran. C'est pas évident quand il y a du soleil. Non, non, Toto, j'ai pas commandé. J'ai fait avec la bâche, les bâches que j'avais reçues à Marc de la chaîne Potager de Casper. Il m'avait en fait apporté deux bâches, mais qui étaient très très lourdes. Et pour finir, j'ai fait avec les bâches en fait, qu'il m'a apporté. En fait, j'attendais pour pouvoir investir dans la nouvelle bâche. Je voulais absolument vendre du matériel que j'avais en cours de sono pour pas prendre dans le budget de maison, puisque voilà, tout ce qui est dans le jardinage, je ne peux pas prendre dans le budget. Bonjour tout le monde, bonjour Nora, salut à toi. Ouais, je bois à votre santé. Hein. Santé les amis, c'est pour vous. Si vous n'avez rien à boire, ben, je bois pour vous. Si vous ne buvez pas, buvez un coco, buvez un coca, buvez ce que vous voulez. Buvez bien sûr à votre idée. Ou si vous ne buvez pas, bien sûr, laissez ça à nous les Belges. Les Belges, nous sommes professionnels. Hein. Du coup, je suis prêt pour la mi-avril. Ben, ouais, je suis prêt à partir de maintenant. En fait, la serre, elle est vraiment fonctionnelle. Ah, salut, salut à tout le monde, enfin voilà, je vous dis bonjour à tous. Aujourd'hui en plus, on n'a pas sorti de vidéo sur Potager Production, c'est un peu de ma faute, donc j'avoue, puisque voilà, en fait la serre m'a pris quand même du temps et j'ai pas eu le temps de faire un montage, donc désolé ceux qui attendaient une vidéo sur Potager Production, j'ai pas su faire de montage et donc désolé pour l'interview qui est reportée la semaine prochaine. La semaine prochaine j'aurai un peu plus de temps pour faire du montage. Ici je vais juste vous présenter la serre qui est en fait qui est montée. Alors je laisse tomber la cinquième bière. non, je suis à la première, je ne bois jamais. Hein. Je suis contrairement à ce qu'on peut croire, les Belges on boit pas tous. Hein. Moi je bois jamais en fait, très rarement. J'en bois une maintenant parce que c'est vraiment fin de journée et que je profite un peu. Je bois juste une bière comme ça et Julie ne croit pas ce que Toto dit, hein. Je ne bois jamais, c'est ma première, je viens de l'ouvrir, je bois une canette et je bois franchement jamais, j'aime pas la bière toute simple, je préfère les bières un peu spéciales, pas comme la Corona, non la Corona j'aime pas trop. La bière, c'est pour piéger les limaces. Ah, pourquoi pas? Pour essayer, tiens. Pour essayer. Enfin, je la bois toujours avant que les limaces la boivent. Voilà. Donc, j'ai acheté une serre, donc ça n'est de 40 mètres carrés, donc 10 mètres de long sur 4 mètres de large. Elle fait 3 mètres de haut, ouais, plus ou moins, ouais, 3 mètres de haut. Et donc, bah, je vais pouvoir en faire mes tomates à l'intérieur. Je vais pouvoir faire mes tomates en fait en toute sécurité, même s'il ne fait pas très bon. Salut Yuri. Et donc, je vais pouvoir faire mes tomates un peu plus tôt. Et en fait, j'espère pouvoir les garder aussi un peu plus tard. C'est surtout Toto qui m'a fait réagir à cette serre. Quand j'ai vu sa production que tu as fait l'année passée, Toto, franchement, c'était impressionnant. Surtout, tu les as vus très rapidement, tu as eu ça très longtemps, tu as eu une production incroyable. Et donc, je vais faire un peu comme toi, je vais un peu te copier. Ça sert à ça aussi, les vidéos des copains. Hein. Donc, je vais te copier et je vais mettre des Hoya. Sauf que les Hoya, je ne vais pas les acheter, je vais les fabriquer. Bah, je vais faire une production au top. La production, on espère toujours. Hein. On n'est pas jamais certain de ce qu'on va faire. Hein. Donc on va essayer de faire de son mieux, de toute façon, voilà. Et en plus, cette année-ci, j'ai fait un petit partenariat avec un producteur de semences, donc je vais produire des semences pour lui. Et je vais produire des semences pour lui, voilà, je me suis proposé comme... en échange, lui il va me proposer des semences gratuitement, et moi en échange, eh bien, je vais lui faire des semences qui n'a pas le temps, qui ne sait pas cultiver. Oui, je dis bien. Et donc, je vais faire chaque fois 5 sortes de semences pour lui. Bah ouais, c'est ça quoi, Toto. Les vidéos, on se donne des idées chacun. Là-bas, j'avais déjà 2 petites serres, rappelez-vous. J'avais 2 petites serres, mais bon, de Saint-Nicolas, que j'avais achetées en grande surface, qui n'ont même pas duré un an. Et puis, j'ai regardé un peu tes déboires aussi, hein, tes déboires dans tes serres. Et comment la serre que tu as, c'est chouette, mais bon, tu as beaucoup quand même de soucis avec le vent, les tempêtes, ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'investir encore un billet et devoir encore faire des réparations comme toi, tu as le cas. Et donc, pour finir, j'ai investi dans une serre à tunnel. Ouais, moi aussi, ici, je suis en plein vent, en fait, hein, Toto. Ici, je suis vraiment en plein vent. Je vais planter, en fait, des haies pour un peu me protéger du vent, mais bon, ça va prendre du temps avant que ça arrive. Et donc, pour contrer ça, je pense qu'une serre tunnel, c'est bien aussi pour pouvoir... Et puis, une grande serre tunnel un peu plus professionnelle, on va dire. C'est pas une serre pro, hein. C'est une serre, on va dire, semi-pro. Mais déjà, avec la longueur, 10 mètres de long, lourd comme c'est... Enfin, le vent, je pense pas qu'il va pouvoir... si la tempête, là, il n'y a rien de résiste au vent. Mais là, déjà, je veux dire, normalement, ça pourrait le faire. Bon, là, je vais vous faire un peu visiter, tiens. D'accord? Vous êtes d'accord? Je vais vous faire voir, je vais vous montrer un peu. Alors voilà, pour ce qui est des tomates et pour revenir sur la production, pardon, pour la production, je referai une vidéo parce que, pour faire plaisir à cette personne, j'ai pris contact avec quelques semenciers en Belgique, et, je ferai une petite vidéo spéciale un peu, là où je me fournis dans les semences en Belgique, et je ferai une vidéo là-dessus, normalement elle aurait dû être faite pour dimanche passé, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps de tourner pour l'instant. Ouais, il faut de la place, c'est sûr, hein. Il faut de la place. Bon, moi, j'en ai un petit peu, donc ça va. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit tour. Je vais retourner la caméra. Voilà. Et je vais vous montrer un peu, voilà, l'intérieur. En fait, là-bas, la bâche à l'origine, je vais essayer de vous montrer sans me casser la gueule, parce qu'il faut que je remonte sur des palettes. Voilà. En fait, les bâches, c'est des demi-bâches qui viennent jusqu'ici. Donc là, on est là, vraiment au milieu de la serre. Et en fait, c'est des demi-bâches que j'ai fait, que je me suis raccroché tout le long. En fait, et donc j'ai une bâche qui va de ce côté là et une bâche qui va de ce côté là. Alors là, je suis au milieu de la serre, plus ou moins, hein. Donc là, c'est ce que j'ai terminé aujourd'hui. J'ai terminé ça avec les bâches de mon ancienne serre, les petites serres que j'avais, je sais pas si vous vous rappelez, les vertes là. Et j'ai réutilisé les bâches pour faire en finir les pignons, en fait, puisque les bâches sont pas d'origine. Là, c'est des bâches que j'ai reçues donc à Marc de la chaîne le Potager de Casper, hein, son beau-frère qui fait des chapiteaux, en fait, hein, et ce sont des bâches de chapiteaux. Et, devoir taper, oui, pas de problème, Julie, vas-y, pas de problème, au revoir, Julie, à très très bientôt, bisous, bisous. Et voici en face, voilà, ça c'est la future. Il y a encore la porte qui est là, mais j'ai plus de clips pour pouvoir accrocher, en fait, les bâches qui est là sur la porte, et donc ça sera fait, j'attends les clips, je les ai commandés. ça va trop chauffer, bah si on chauffe, eh bien de toute façon j'ai deux portes, une porte là et une porte là, que je vais aérer en fait dès que je peux. J'ouvrirai. Et alors je pense que je vais acheter peut-être des choses pour mettre, faire de l'ombre, je sais pas comment ça s'appelle, des ombres, je sais pas, des voiles qu'on met à l'intérieur pour faire un peu d'ombre. Je pense que je mettrai ça ici. Vous voyez que je dois encore nettoyer la bâche, hein, parce que tout ça en fait c'est à nettoyer. Elle est restée en fait sur le sol, elle est restée là sur le sol pendant un petit moment, et puis voilà. Donc je dois la nettoyer, demain c'est ce que je ferai, je vais nettoyer la bâche, parce qu'aujourd'hui je n'aurai pas le temps, maintenant je vais devoir aller préparer le dîner avec les enfants. Et donc voilà, enfin terminé, ça m'a pris du temps, parce que pour accrocher la bâche là, j'ai dû faire un système de... Vous voyez derrière, il y a un trou là. Ouais, voile d'ombrage, voilà, super Toto. Comment en fait, j'ai dû accrocher comme une couturière, j'ai dû coudre... à chaque fois à travers la bâche, et heureusement il y a un gros joint, je ne sais pas si vous allez voir, vous allez peut-être voir mieux ici, vous voyez, je me suis amusé à raccorder, en fait il y a deux gros joints comme ça, ouais je connais Nora, je connais la chaîne de Jacolidi, je connais très très bien, ouais bah je regarde de temps en temps, et pas de souci, je regarde de temps en temps, et comment... Et voilà, donc j'ai fait, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps rien que pour ça, parce que, rien que pour la montée déjà, parce que je suis seul, je suis quasiment seul, j'ai eu un peu d'aide de ma femme et de mes enfants, mais c'est pas évident même pour eux, parce que c'était très très lourd. Et donc j'ai fait ça un peu tout seul. J'ai eu plus d'aide aujourd'hui, parce qu'on a mis les côtés, ça allait plus facilement avec madame. Donc voilà, l'extérieur, un petit peu ce que ça va donner. Donc elle fait 4 mètres de large, 4 mètres, on va dire, au plus bas. 4 mètres là, plus haut elle ne fera pas 4 mètres. Et elle fait 3 mètres de haut. Et donc voilà ce que ça donne un petit peu. Il y a le soleil bien sûr, j'espère que vous allez voir un petit peu. Voilà 10 mètres, comment c'est long comme ça. Ça prend on va dire un tiers de mon potager. Mais bon, ça va me permettre depuis de faire des tomates à l'intérieur. J'ai prévu combien de pieds? Eh bien encore, j'ai pas encore compté. Je pense que je vais faire 4 lignes, 4 rangs. Je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer ça. Je pense que je vais pouvoir faire en fait 4 rangs. On va dire, de tomates. On va dire, premier rang va être ici. Voilà, pas trop près, hein. Je vais laisser, on va dire, à hauteur de ce piquet-là, je vais les faire un rang. Je vais en faire un à hauteur de la porte qui est là. Même chose de l'autre côté, qui va démarrer à la porte là. Et le 4e rang, je pense que je le ferai ici, au-dessus. Eh bien, même chose de ce montant-là. Je pense faire 4 rangs. Maintenant, le nombre de pieds, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Comment je vais un peu pratiquer, parce que bon voilà, j'ai jamais eu de serre aussi grande, j'ai eu des petites serres où je mettais on va dire une dizaine de plantes, tomates, mais ici je sais pas du tout. Je vais réfléchir un petit peu et mettre des oyas que je vais fabriquer moi-même, hein, avec des pots en terre cuite là, vous savez, qu'on assemble l'un dans l'autre. Ça revient à moins de 5 € l'oya, donc ça vaut la peine je pense de le faire comme ça. Et que je vais enterrer en fait, voilà, entre deux pieds, je pense que chaque fois je mettrai un oya entre deux pieds. Donc à mon avis, j'ai encore du boulot la semaine prochaine pour faire tous ces oyas et les enterrer. Et puis voilà, moi je serai plus tranquille pour l'arrosage, parce que ça aussi j'ai trouvé que c'était vraiment génial chez Toto, c'est qu'il avait ça et qu'il n'avait pas de souci de devoir arroser. Moi je me rappelle quand j'avais la serre, les petites serres, tous les jours il fallait absolument arroser. Et puis même l'hiver, je trouvais ça... C'était pas très cool quoi, donc les oyas en hiver, bah, je sais pas, tu les arroses, tu les remplis une fois ou deux et puis voilà quoi. Ouais, je vais tailler les gourmands ici dans Toto. Alors Nora, Tangervin. Non, non Nora, Toto il les a achetés directement les oyas. Toto il a acheté les vrais oyas, lui il a vraiment... Il a vraiment les véritables. Celui qui avait fabriqué, je me demande si c'est pas Sébastien de la chaîne Potager Naturel. Je pense que lui, Il a fabriqué ses Zoya. Peut-être d'autres ont encore fabriqué des Zoya, je ne sais plus qui les a fabriqués. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres jardiniers qui ont fabriqué leurs Zoya. Mais bon, voilà, je vais en fabriquer. Et bah, vous voyez qu'il y a encore des vestiges de la culture de cet hiver. Et donc, voilà. Donc, ce que je disais pour les Zoya, je trouvais que ça aussi, Toto, il avait franchement, ben, pas la belle vie, mais je trouvais qu'il arrosait, voilà, en hiver, tu arroses une fois ou deux par mois, ça c'est génial. Et en été, je pense que c'est une fois par semaine, je pense que tu avais dit en vidéo, bah, une fois par semaine, ça va, quoi. Une fois par semaine, en plein été, moi ça me va, hein, que, tu sais, là, généralement, l'été, le soir, comme l'année passée, l'année avant, j'avais mis, en fait, des gouttes à gouttes, et ben, rien que pour les brancher, les laisser aller, et ça me prenait déjà 2-3 heures par jour. Je trouvais ça énorme, je trouvais que c'était voilà, trop fastidieux. Et donc le système des Zoya, franchement, c'est quelque chose que ben, moi que je veux tester, et dans la serre, je crois que c'est vraiment le truc idéal que je veux faire, et que je veux tester absolument. Absolument, parce que je pense que c'est vraiment la chose... Enfin, allez, on est tous un peu... Enfin, moi je suis fainéant pour ça, j'ai pas envie de passer mon temps à arroser. Ouais, je crois que Seb, il avait fabriqué l'année passée ou l'année avant, je pense qu'il a fait des Zoya. Avec des pots en terre cuite, c'est facile. Hein. On prend deux sortes. Ici, en plus, j'ai un ami qui est parti dans chez un horticulteur qui était ouvert. Et il a des pots en terre cuite assez bien. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vais me rendre chez lui. Et je vais aller chercher absolument des pots en terre cuite et je vais m'amuser. Ben, en fait, à les faire, quoi. Ouais, t'as raison, voilà, moi j'ai pas envie de passer toutes mes soirées. Ben, l'année passée, c'est ce qui s'est passé. Hein. L'année passée, à partir de 20h ou 19h, ben, je passais jusqu'à 22h, 22h30, je passais mon temps à arroser. Donc, ben, tous les jours, ça devient chiant. Quoi. Et on prie pour avoir de l'eau. Après, ça va, j'ai de l'eau. Hein. Salut, Jacouille, salut. Et après, j'ai de l'eau, j'ai des citernes. Moi, j'ai la chance d'avoir plus ou moins 7000 litres d'eau en réserve. Donc, j'arrive généralement à pas tomber à court, mais bon, il faut quand même à chaque fois mettre le moteur, parce que j'ai un moteur pour pomper l'eau, il faut chaque fois mettre la pompe, et puis bon voilà, ça prend du temps, quoi, donc c'est chiant, et puis voilà. Donc si je peux m'épargner ça, ben, je vais le faire. Donc voilà, demain, nettoyage de la serre extérieure et intérieure, pour nettoyer, vous voyez, toute la bâche, parce qu'elle est restée ben, par terre pendant quelques semaines. Et ensuite, eh bien, demain, je vais sûrement passer un coup de grelinette. Tu as fait deux l'année dernière. Tu parles de quoi? De serre ou de Oya, Jacouille? Et donc, voilà. Et donc, je pense que je vais utiliser encore, j'ai toujours quelques bâches, je m'en fais utiliser. Je pense que je vais en faire encore pour des mini-serres, pour, par exemple, faire de la laitue en hiver, ainsi de suite, ou des choses comme ça. Des cadres, on va dire. Désolé, hein, Jacques. Ah, t'as fait l'année passée, tu les as fait en vidéo, Jacouille? Si tu les as fait en vidéo, ben voilà, j'aurai l'occasion d'aller revoir un peu ce que tu as fait. Donc voilà, et pour la chaîne Potager Production, normalement il y avait une vidéo qui devait sortir aujourd'hui de Sandrine. Et donc Sandrine, malheureusement, je m'excuse, elle n'est sûrement pas sur le live, mais je m'excuse près d'elle. Sa vidéo sortira la semaine prochaine d'office. Si vous désirez faire des interviews pour Potager Production, je fais un peu de pub pour la chaîne. N'hésitez pas parce qu'il y a déjà beaucoup d'interviews de prévues. Je pense qu'on en est jusqu'au mois de fin juin déjà, on est calé. Donc bah, si vous allez faire des demandes maintenant, vous allez passer très tard. Et je pense qu'en juillet août, je crois qu'on ne sortira pas de vidéo, à moins que vraiment qu'il y en ait vraiment de trop et qu'il y ait vraiment, vraiment de demande. Ou alors peut-être qu'on fera peut-être deux vidéos par semaine pour dire qu'il y ait un peu plus de roulement, que ça ne dure pas trop longtemps d'attente si vous faites des vidéos maintenant de présentation. Ouais, en fait c'est deux idées qui sont venues facilement. En fait, moi je voulais absolument promouvoir les petites chaînes, je voulais faire que ça en fait, promouvoir que les petites chaînes parce que bah, on a galéré, chacun a galéré et bon à chaque fois on attend toujours qu'une personne parle de nous pour pouvoir un peu bien, se faire avoir de la visibilité. Et je trouvais que si on faisait une chaîne, comme on avait une chaîne qui était là, qui ne servait presque à plus rien, eh bien, je me disais faire des interviews là-dessus, de petites chaînes, voilà, des interviews pour connaître vraiment les gens, eh bien, ce serait sympa. Et à la base, moi, je voulais faire, en fait, je voulais faire 3-4 interviews à la fois. Donc, plusieurs youtubeurs qui feraient des interviews à la fois, on découvrirait plein de youtubeurs par vidéo. Mais bon, vu le temps que ça prenait, on a abandonné. Et puis, Blandine, elle est venue avec... ouais, vas-y, Toto, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, si on a vraiment trop de demandes, parce qu'il y a encore plein qui nous ont dit qu'ils allaient les faire au mois de... Ici, pendant la période qui fait meilleur. Si on a vraiment trop de demandes, on doublera, on en fera 2 par semaine, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et donc, elle, Blandine, est arrivée avec une idée d'interview aussi, mais pas forcément de petites chaînes. Elle voulait faire des interviews de jardiniers, tout simplement, de chaînes connues. Hein. Elle avait, je pense qu'elle avait fait un modèle avec Père Mawil. Elle m'avait montré un modèle, et moi, je lui ai fait un modèle avec moi. Et puis, pour finir, on s'est arrangé pour faire en fait des vidéos ensemble. On s'est dit, bah, pourquoi pas, on les ferait pas ensemble, et on ferait une pierre deux coups. On s'est dit, bah, on ferait bien aussi bien les jeunes chaînes YouTube, mais on ferait aussi bah, les moins jeunes, celui qu'on a envie de découvrir, comme Toto par exemple, qui va lui faire une interview et qui va se présenter, et on va le découvrir autrement, peut-être avec, on va découvrir des choses qu'on ne voit pas forcément bah, dans ces vidéos, quoi. Voilà l'idée, pourquoi on a voulu mettre ça. Mais je pense qu'on fera sûrement un live avec Blandine bientôt, pour présenter. Bon, pour l'instant, elle et moi, on est un peu fort occupés, mais bon, je vais essayer de pouvoir faire quelques vidéos. Mais moi, ça me prend toujours minimum entre 1 et 2 soirs de faire des vidéos, donc voilà, quoi. Bon, je vais essayer de vous replacer pour... On va retourner la caméra. Maintenant que je vous ai montré un peu, ça fait 23 minutes. Voilà, on va rester encore 5-10 minutes ensemble. Ensuite, j'arrêterai le live. Voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions au sujet de la serre, je ferai pas de pub parce que bon voilà, j'ai pas eu de soucis avec la serre. Maintenant, si vous désirez savoir où je l'ai acheté, bon, c'est en Belgique, hein, c'est sur un marchand en Belgique. Donc si vous êtes en France, je sais pas s'il livre en France, ça j'en sais rien du tout. Mais si vous avez envie d'avoir des renseignements, vous les demandez dans les commentaires, je vous donnerai les liens, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ouais, elle est grande la serre. Et franchement, le fait de faire des vidéos pour Potager Production, présenter les chaînes, moi ça m'a permis aussi de connaître plein de gens. Il y a plein de chaînes que j'ai découvert parce que franchement, on fait plus de. Enfin, moi personnellement, j'ai plus le temps de faire des recherches de nouvelles chaînes. Donc c'est paradoxe, mais on ne trouve plus de nouvelles chaînes, quoi. Donc, soit on les trouve parce que les personnes viennent peut-être commenter sous nos vidéos, mais s'ils ne viennent pas commenter sous nos vidéos, ben, moi, je ne découvre pas les chaînes. Et donc, j'ai découvert, on va dire, 50% des chaînes que je ne connaissais pas, qui sont déjà en préparation de l'interview. Voilà, il y a déjà au moins, je sais pas, une quinzaine d'interviews qui sont prêtes à sortir. Oui, ouais, c'est ça le but en fait. C'était le but, c'était de faire découvrir la petite chaîne et celles qui sont connues déjà, on va dire, qui sont déjà, où on est déjà abonné, et bien de découvrir la personne autrement que dans ses vidéos, un peu plus, on va dire, un peu plus dans sa vie privée ou peut-être son métier, des choses comme ça, quoi. Voilà, et voir pourquoi il a commencé, pourquoi il a fait une chaîne YouTube, pourquoi il a fait du jardinage. Voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu l'optique de tout le monde. Chacun une optique différente, hein, de pourquoi ils font du potager. Il y a des gens que c'est pour la passion, il y a des gens que c'est pour se nourrir, il y a des gens c'est pour faire absolument de l'autonomie alimentaire, il y a des gens c'est juste par plaisir d'être dans le jardin, voilà, et savoir tout ça. Je trouve que c'est intéressant de savoir les vidéos en plus des gens qu'on regarde, d'apprendre, c'est vraiment intéressant. Bon, les gars, santé, parce que je parle beaucoup, j'ai soif. Comment ça se passe sinon votre confinement chez vous ? Est-ce que c'est pas trop difficile? Bon, normalement, vous avez tous un jardin, donc si vous avez un jardin, ça doit être moins difficile. Moi, personnellement, je vois pas beaucoup de changements parce que j'ai beaucoup de travail au potager. Et donc, les magasins ne me manquent pas beaucoup. Faire un truc spécial aussi, genre près de chez moi, verger. J'ai pas vu ton vidéo, je vais essayer de revoir la vidéo. Attends, tiens, t'as jamais pensé à aller faire ça dans un truc un peu spécial? genre près de chez moi, à Verger Conservatoire. Je suis pas journaliste, donc c'est difficile de se dire, bon, je vais aller faire des interviews. J'ai eu des idées, j'ai plein d'idées, j'aimerais bien aller interviewer plein de gens, mais je sais pas si je me sens capable d'aller, comme un journaliste, on va dire, interviewer des personnes. J'ai découvert plein de personnes intéressantes, comme la personne avec qui, pour qui je fais les semences. C'est un passionné en fait de tomates, hein, comme moi, sauf que lui il a 3000 variétés, donc moi j'en ai à peine 120. Et lui en fait, parce qu'il ne peut pas se permettre de commencer à faire des échanges ou quoi, il les met en vente à un petit prix, voilà, c'est quelque chose on va dire qu'il fait en plus. Lui il a une méthode, il conserve aussi ses tomates en les mettant en congélateur par exemple. Et donc voilà, et chaque année, il remet en route quelques tomates, et puis voilà, et donc ici, voilà, il m'a... j'ai fait une commande chez lui, en fait, et en faisant connaissance avec lui par email, eh bien, je lui ai dit, tout compte fait, si tu veux, voilà, moi aussi, je fais aussi des tomates, je suis aussi passionné, et je dis, voilà, je fais des tomates. Moi, je reparlerai dans une vidéo bien plus précisément. Mais donc, ces personnes-là, ce serait bien, j'aimerais bien les interviewer. Comme une autre personne qui est à Namur, du côté de Namur, du côté de Charleroi, moi, je suis à Charleroi, Namur, c'est, on va dire 35 km d'ici. C'est une personne qui fabrique, qui était dans le monde du spectacle et qui s'est absolument... il refait autre chose, il s'est mis dans l'outillage du jardinage et il fait des grelinettes en fait. Mais des grelinettes pas les mêmes que les grelinettes que vous voyez, c'est des grelinettes un peu modifiées. Mais bon, la pratique elle-même. Mais bon, voilà, je trouvais ça vraiment génial du monde du spectacle. C'est un gars qui était humoriste. Et qui est passé par le monde du jardinage où il fabrique maintenant toutes sortes d'outils. Je crois qu'il fait aussi des godets pour faire des mottes, des presse-mottes. Donc il fait vraiment plein de choses, tout ce qui est dans le métal. Je me disais peut-être qu'interviewer ces personnes-là, mais bon voilà, il faut être un journaliste, moi je ne le suis pas, et c'est pas facile. Tu taffes toujours toi, Toto? Ouais, il y a des gens qui taffent, bon, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas de chance. La chance dans le sens où on peut se changer un peu les idées, pas de chance dans le sens où on peut prendre des risques aussi dans l'allant travailler, donc c'est un peu délicat. Tu veux un contact, Yuri? Attends, ouais, Yuri, tu veux un contact pour la serre? Je te mettrai ça en lien, il n'y a pas de souci. 2 semaines dans le potager, travailler dans le potager, c'est travailler, hein, c'est pas forcément les vacances. Hein. Moi, j'ai passé 4 jours ici à monter la serre, je vous rassure que j'étais crevé mort. C'est pour ça que j'ai pas su sortir de vidéo, parce que j'étais tellement crevé que j'arrivais pas à travailler le soir sur les vidéos. Quoi. Salut Salvador, je pense que c'est Salvador ou Salvatore. Attends, bonjour, j'ai beaucoup de fourmis et de pucerons, j'ai déjà tout essayé, rien ne marche, vous connaissez quelque chose. Les fourmis, moi je vis avec, franchement, j'en ai aussi, j'ai déterré et je vis avec. Je ne fais pas de plantation là où j'ai dans mon jardin où j'ai des fourmis. Les pucerons, eh bien, il faut essayer de mettre des fleurs en fait qui vont attirer les pucerons, comme des soucis, comme des œillets d'Inde. Il y a plein de fleurs comme ça qui attirent les pucerons. Et en fait, on va pas les éliminer, mais on va les faire aller sur quelque chose où on va dire que ça ne nous dérange pas. Donc il faut absolument mettre des fleurs qui attirent les pucerons pour pas devoir les éliminer, mais qu'ils ne t'embêtent pas. Moi sinon, voilà quoi, les pucerons, c'est pas plus embêtant que ça, et les fourmis encore moins. Les fourmis, je les laisse vraiment là. S'il y a un nid, je cultive pas l'aïoli. Alors, Nora, toi tu es maman foyer et... Toi, tu fais plus de retour de l'école, ouais, c'est ce qui te change. Mais enfin, tu te retrouves avec les enfants à la maison, c'est pas forcément plus facile parce qu'il faut faire les devoirs à la maison. Moi, j'ai ma femme qui fait du télétravail, en plus des devoirs à la maison. C'est bien et pas bien parce que nous, on n'est pas prof et on doit donner cours aux enfants. Ma femme, elle n'a pas le temps parce qu'elle fait du télétravail. Donc, je m'y mets, mais il y a des choses où je suis complètement largué parce que j'ai ma dernière qui est en secondaire, il y a des choses que j'ai pas appris du tout, ou je m'en souviens pas du tout. Et puis j'étais pas non plus une éclair à l'école. Donc je trouve que c'est bien l'école, mais je trouve que les profs, ils pensent pas que les élèves, ils n'ont pas forcément les profs pour leur apprendre ou pour leur conseiller. Et en fait, nous, ça nous oblige un peu à passer du temps avec, alors que c'est pas forcément le mieux parce que les méthodes ont changé depuis 20 ans où on n'est pas forcément plus au courant. Donc voilà, je trouve que c'est bien et pas bien. Par contre, ce qui se passe chez vous en France, sur France 4, je crois, ou sur France 5, je sais plus, où il y a des cours l'après-midi, je trouve ça génial. Et je trouve que ça devrait même être obligatoire. Il devrait même avoir une chaîne rien qu'avec des cours, où c'est des professeurs qui donnent cours, et on pourrait même choisir le cours qu'on voudrait revoir. Je trouve que je comprends même pas qu'en 2020, ça n'existe pas, une chaîne ou une VOD où on pourrait aller voir un cours de maths ou un cours de français ou n'importe quoi, à n'importe quel âge, et qu'on puisse avoir une explication d'un vrai professeur et pas des parents forcément qui n'ont pas forcément tous la culture de l'école. Ouais, nous aussi on a été prolongé pour le confinement, je pense qu'on est confiné jusqu'après les vacances de Pâques, donc je pense que c'est le 18 ou 19 avril. En France, je sais pas, j'ai pas suivi ces derniers jours si vous avez été prolongé, mais je pense que vous allez être prolongé, puisqu'il y a quand même pas mal de malheurs, de décès, de cas. Alors, j'essaie de lire un haut naturel, le potager que je n'ai pas chez moi, donc je me suis créé un petit potager au nord sur mon terrain. Ouais, bah bon. On fait comme on peut, hein. Moi je dis, voilà, des fois, ici moi j'ai fait un potager qui est très grand, mais parfois je regrette parce que je me dis ça me prend beaucoup de temps, et puis j'ai commencé avec, en ne connaissant rien, et en fait je pense que c'est pas la bonne méthode, je pense qu'il faut vraiment commencer petit, et il faut au fur et à mesure s'agrandir, et donc en commençant petit, c'est pas rébarbatif de faire du jardinage, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose, et je pense qu'on a juste envie qu'une chose quand c'est petit, c'est de s'agrandir. Que quand on fait l'inverse, quand on fait quelque chose de très grand, la première année, on est très vite débordé, on est très vite surpassé par n'importe quel événement, que ce soit les mauvaises herbes, comme on dit, les herbes indésirables, comme la culture, comme la cueillette, comme tout, comme la plantation, tout est vraiment trop grand, et quand on n'a pas d'expérience, on se fait vite déborder, c'est pas forcément la bonne idée. Donc je pense que c'est mieux de commencer petit, même si on a un grand terrain, et de s'agrandir au fur et à mesure avec l'expérience. Ouais, c'est dur de faire l'école, surtout que, enfin, moi j'ai quand même maintenant 45 ans bientôt, bon, c'est très loin les cours. J'avoue, j'étais pas un éclair, donc j'étais dans le milieu d'électricité, donc on va dire les cours théoriques, c'est des choses qui étaient un peu plus light pour nous, parce qu'on avait beaucoup d'heures pratiques, donc voilà, quoi. Donc j'essaie de lire vos trucs. Ah, tu apprends beaucoup de choses, bah on apprend toujours, c'est bien, mais bon... Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de continuer. Moi, confinement, je trouve ça bien, pas bien. Bien dans le sens où je pense que ça va remettre un peu les idées en place de certaines priorités. Hein. Certains, même je me pose des questions. Parfois, ma femme me dit d'avoir un potager, ça va devenir dangereux parce que les gens qui n'ont pas de potager et qui sont confinés, ils vont être envieux de nos potagers. Donc, c'est délicat, quoi. Et donc... voilà, c'est quelque chose. C'est quelque chose de. Eh bien, il faut faire attention. J'ai de la visite, je ne sais pas qui c'est qui est passé, je n'ai pas vu. Pendant la période de confinement, mais bon, apparemment, pas pour tout le monde. C'est ça le problème, c'est que certaines personnes ne se sont pas concernées par le confinement. Et chez nous, les jeunes ne sont pas trop concernés. Bon, Nora, rentre tes plans, bon, à bientôt, hein. De toute façon, je vais bientôt aussi terminer, mais non, il se fait 35 minutes, je vais encore garder 5 minutes, allez, pour dire de rester, de finir mon petit apéro, et puis, eh bien, on va repartir. Bon, n'oubliez pas, hein, confinement, ok, mais il ne faut pas déprimer, il faut prendre l'apéro, il ne faut pas devenir alcoolique, parce que chez nous, j'ai remarqué qu'il y avait des groupes qui étaient... qui avait carrément fait des groupes pour prendre l'apéro voilà, virtuellement, par caméra interposée. Ça devient quand même inquiétant. Si on n'arrive pas, après une semaine ou 10 jours de confinement, à prendre l'apéro tout seul, si on est obligé de prendre l'apéro via des images. Mais bon, je comprends aussi, il y a des gens qui font que ça. Bon les amis, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir... Voilà, maintenant je vais laisser la vidéo. Si vous avez envie de revoir toute la série, si vous avez des questions au sujet de la serre, eh bien allez-y, n'oubliez pas, les commentaires sont là. Je vous dis à bientôt, n'oubliez normalement dimanche, pas ce dimanche, mais normalement de la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo sur mes semences de tomates que je vais faire celle-ci, et je sortirai aussi une vidéo sur les semences où je les, en fait, comment je fais pour avoir des semences de tomates, autant de variétés, ainsi de suite. Je vous donnerai quelques petits trucs. Ce sera surtout destiné à la Belgique parce que je vais mettre en avant en fait des petits producteurs belges. Et donc voilà quoi, j'aimerais bien les mettre en avant. Et donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci d'être resté sur le live. À bientôt. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Confinement. Bon voilà, on se confine mais on reste, on garde le moral, ça va aller. Et on fait attention à soi d'ailleurs et à ses proches. Hein. On prend des nouvelles de ses proches, c'est important. Prendre des nouvelles des parents, des grands-parents, on va pas les voir, mais on fait des fast time, on va au balcon, quoi, s'il y a moyen de les rendre visite sur le balcon, pour voir si tout va bien, et on les oublie pas, bien sûr, on n'oublie pas les vieilles personnes. Allez, ciao, ciao les amis, à très bientôt, et prenez soin de vous, ciao.